Ces sont mes loisirs préférés. Bien, bien, très bien. Rouge, rose, vert. Ça dépend de ton âge. Ça va très bien. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté, bien sûr. Là, je vais vous donner dans cette vidéo des questions. Je vais vous poser des questions parce que je sais que vous avez besoin de parler, d'interagir. Alors, je veux attendre, oui, bien sûr. Et là, vous devez répondre aux questions. D'accord? Allons-y. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment répondre aux questions. À la fin de la vidéo, je vais vous donner toutes les réponses. Rappelez-vous que ce sont des questions pour les débutants. La première question, c'est la plus facile. Comment tu t'appelles? C'est ça. Comment tu t'appelles? Ça pourrait être aussi, vous vous appelez comment? C'est un petit peu formel, mais c'est la même question. Deuxième question. Tu à quel âge? Ouais, c'est ça, c'est pas difficile. Il faut que tu te rappelles de numéro aussi, d'accord? Tu à quel âge? Troisième question, les gars. Où habites-tu? Prends du temps, mais pas beaucoup. Ah, bien sûr, c'est la réponse. Quatrième question. Comment ça va? Ouais, c'est plus joli, n'est-ce pas? Comment ça va? Quelle est la réponse? Dis-moi. Oui, très bien. Cinquième question, les gars. Cinquième question. Quelle est votre nationalité? Ah, c'est bien. Quelle est votre nationalité? Bien sûr, oui, c'est ça, par rapport au pays, aux nationalités. Sixième question, les gars, as-tu de frères, de sœurs? Je répète, ne vous inquiétez pas. As-tu de frères, de sœurs? Ouh là là, quelle est la réponse? Oui, c'est ça la réponse. Bravo. Septième question. Quels sont tes loisirs préférés? Quels sont tes loisirs préférés? Ah, j'aime cette question. Quelle est la réponse? Oui, bien sûr, bravo, félicitations. Chapeau pour toi, chapeau pour vous, chapeau pour vous. Bien sûr. Huitième question, les gars. Quelle est la date d'aujourd'hui? Ah! Répondre, quelle est la date d'aujourd'hui? Ça dépend dans quel jour est-ce que tu regardes cette vidéo, mais là, essaye de me donner une réponse. Oui. Ah, bravo, c'est ça la réponse. Neuvième question, les gars, bravo, nous sommes presque là. La question, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Oui, c'est par rapport aux vêtements, oui, par rapport aux vêtements. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Quelle est la réponse? Bravo! Bravo, c'est ça la réponse. Nous avons arrivé, c'est la dernière question, la dixième, hein? Oui, la numéro 10. Je vous pose la question, les gars. Quels sont tes couleurs préférées? Je répète, quelles sont tes couleurs préférées? Ah, c'est très facile, il faut se souvenir de couleurs. Ah, bien sûr, ah, c'est la réponse, bravo les gars. Ouais, c'est ça. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment répondre aux questions. À la fin de la vidéo, je vais vous donner toutes les réponses. Je m'appelle Jean-Pierre. Tu pourrais dire je m'appelle votre prénom. J'ai 31 ans. J'ai
6 ans, j'ai 10 ans, j'ai 12 ans. Oui, ça dépend de ton âge. Ouais, c'est ça. J'habite à Lima. J'habite à Miraflores. J'habite à San Borja. Oui, il faut dire j'habite plus la ville. Ça pourrait être aussi avec ton pays. J'habite au Canada. J'habite au Pérou. J'habite en Belgique. J'habite en France. Oui, ça pourrait être j'habite aux États-Unis. Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va mal. Ça va comme ci, comme ça. Tu peux aussi dire ça va très bien. Ça va très mal. Mais non, c'est pas possible. Là, c'est plus sympa de dire comme ça. Ça va bien, ouais. Je l'aime. Je suis péruvien. C'est pour les garçons. Et pour les filles, on va dire je suis péruvienne. Non, américain, américaine. Non, italien, italienne. Oui. Ah, mexicain, mexicaine. Ouais, c'est comme ça. Les rares, c'est la nationalité. J'ai une sœur. J'ai 2 sœurs, j'ai 3 frères, ça dépend de ta famille, bien sûr, ouais, ça dépend de ta famille. J'aime la musique, j'aime la lecture, j'aime les sports, et j'aime le cinéma, ce sont mes loisirs préférés. Aujourd'hui, c'est lundi, vendredi, samedi, oui, c'est les jours. Après, tu dois me donner les mois. Par exemple, janvier, février, mai, juillet, décembre, octobre, ouais, ça dépend. Là, les numéros, 14, 20, 23, 5, oui. Et au dernier, oui, c'est l'année 2024, 2025, etc., etc. C'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte une jaquette, ça pourrait être une veste, un blouson, oui, ce sont des choses très similaires. Un t-shirt, oui, là, je vous montre. Un pantalon, oui, des baskets. Ah, bravo, je porte ça. Mes couleurs préférées sont les bleus, les noirs, par exemple. Le jaune, l'orange, oui, rouge, rose, vert, etc., etc. Oui, il y a beaucoup de couleurs. Ce sera tout les gars pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer la vidéo. C'était pour vous, pour pratiquer la langue, pour essayer de continuer dans votre apprentissage, bien sûr. Si vous n'avez pas compris, pas tout, ouais, je sais, mais vous pouvez répéter la vidéo, mettez un pause, du stop, des choses comme ça, et vous aurez bien sûr plus de temps à répondre les questions. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye bye. À bientôt.